9h15, je suis à peine coiffée, à peine maquillée, non. J'ai juste, j'avais mis un peu de fond de teint parce que j'ai des petits boutons. Parce que je vais à la piscine aujourd'hui, j'ai mon premier cours d'aquagym. Enfin, c'est pas aquagym, c'est aquatonique. Je me suis lancée dans un challenge, mais ça va le faire. À midi et demi, donc. Coucou, bon, je vous reprends, il est déjà 11h20. Voilà, j'ai monté la vidéo de demain, la miniature, tout ça, tout est nickel. Donc, je suis contente, mes lunettes sont sales, tout va bien. J'ai rendez-vous donc, enfin, j'ai rendez-vous. J'ai mon cours d'aquatonique à 12h30, a priori à 20 minutes de route. Vous comptez un quart d'heure pour se préparer, en gros, hein, arriver, ça fait quoi, 35 minutes? Plus le temps de trouver et me garer. En résumé, je vais pas trop tarder à partir, mais j'ai très faim. Et clairement, je vais pas manger avant peut-être 1h30, donc même 2h en fait. Je ne sais pas. Donc je vais manger un petit Voilà, cookie. que j'ai eu donc dans la box Snackies. C'est le dernier produit. Enfin, il me reste encore une petite boisson là au soja vanille. Mais sinon, c'est le dernier produit. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Trop bon. Amandes et noix de pécan, c'est bon. Ça n'a rien d'exceptionnel par rapport aux autres que j'ai goûté jusque-là, mais c'est bon. Disons que c'est des saveurs que je connais. Mais c'est très très bon. Voilà. Bon, moi je vais arrêter de vous parler parce que j'ai la bouche pleine. Je prends mon petit cookie. Je me prépare et j'y vais. Bon, je viens d'arriver à la piscine. Mon cours est dans une demi-heure, donc ça va. J'ai le temps. J'ai préparé mes tout parce que je connaissais pas du tout l'endroit. Par contre, je suis dans tous mes attaches, j'en tremble encore. Il y a un mec, j'étais sur ma route. Donc, comme ça, quoi. À côté, à ma gauche, donc vous aviez le sens inverse, quoi, les voitures qui arrivent dans l'autre sens. Et un peu plus loin, c'était le passage. Le mec, il est arrivé à fond la caisse. Mais je sais pas comment il était, mais il s'est pas du tout arrêté, quoi. Il est à fond, à fond, à fond. Donc il est arrivé à fond et il a failli me rentrer dedans. Donc j'ai pilé aussi au dernier moment, il a pilé aussi. J'ai klaxonné parce que c'était abusé quoi. Si j'avais pas ralenti, on serait rentré dedans. Et bah, ça a pas dû lui plaire parce que du coup après il a roulé à 30 tout le long. Alors clairement moi je m'en fous hein, qu'il roulait à 30. Mais il roulait à 30, tu sais, il pilait un petit peu quoi. Histoire de, je sais pas, il avait envie que je rentre dedans, j'en sais rien. Bon, j'étais dans tous mes états donc je suis pas au top. Mais bon c'est pas grave, j'ai réussi à venir jusqu'ici, ça me défoulait un peu. J'attends 10 minutes avant d'y aller. Je pense que c'est là, parce qu'il y a deux endroits, il y a la piscine et la patinoire. Mais je pense que c'est là. Donc, je sais pas si on peut y aller plus tôt ou quoi. Peut-être pas. C'est quand même dans une demi-heure. Je me dis, je vais y aller vers midi. Midi 10, quoi. Et je verrai. Enfin voilà, bref, reste zen, Farah. Ça va me défouler, ça va me faire du bien. Je vais peut-être aller me balader. Il pleut un peu, mais. Voir ce qu'il y a autour aussi, ça peut être intéressant. Je vous montre, je stresse. Ça va se passer. Bon, ça y est, je suis rentrée de l'aquatonique. C'était trop bien. Je vous ai mis vite fait dans le vestiaire, mais je pouvais pas parier, il y avait du monde autour, forcément. C'était génial. C'était 45 minutes. Je savais pas en fait la durée. Je savais pas si c'était 30 minutes, 45, parce que j'avais vu sur d'autres piscines que des fois c'est 30, des fois 40, voilà. Donc je ne savais pas. Je suis seulement en train de me faire à manger. 2h15, tout va bien. Mais j'avais pas envie d'aller m'acheter un sandwich après avoir fait de l'aquatonique en fait. Voilà. Psychologiquement, ça me gênait. Du coup, au début, les 15 premières minutes, c'était enfin, tranquille, entre guillemets, on court, talons-fesses, tu cours, talons-fesses, tu lèves les bras, etc. Je me suis dit, cool! Et au bout de 15 minutes, il dit, bon, maintenant, les choses sérieuses commencent. Et pendant 30 minutes, c'était mais intense. C'est-à-dire qu'à la fin, je sentais mes joues chaudes et rouges, je mettais de l'eau pour me refroidir, tellement j'en pouvais plus. On était entre 20 et 30 faciles, mais c'était vraiment chouette, je suis trop contente. Du coup, je pense que je vais. Je crois que c'est à partir de début décembre où on peut s'inscrire au trimestre. Donc, soit je m'inscris au trimestre, soit je m'inscris ponctuellement en fait à la séance quand il y a des places disponibles. Donc, il faut que je vois. De toute façon, j'ai encore tout le mois de novembre pour tester, pour voir. Mais c'était vraiment chouette. Franchement, trop contente.
Depuis le temps que je veux en faire, je me suis lancée et du coup, je suis contente. C'est une bonne chose de faite. Je pense que je me réinscrirai jeudi prochain. Si j'ai, ouais, jeudi prochain, j'ai l'esthéticienne, mais c'est pas grave, je vais voir pour faire une petite séance. Ici, nous avons. Le chef. Non, le sous-chef. Le sous-chef, c'est moi le chef. J'ai reçu deux colis, il faut que je vous montre. Vous connaissez la marque La La Lame, je vous l'ai présentée à de nombreuses reprises. On a un nouveau partenariat ensemble. Je suis en train de me faire à manger, oui, je vous l'ai dit. Du coup, Julien chante, tout va bien. C'est des magnettes dedans. Eh ouais, j'ai réussi à me garer. J'ai réussi à rentrer. Je me suis pris à plusieurs fois. Je me suis dit, au début, je collais celle du voisin. Je me suis dit, au bout d'un moment, vaut mieux coller celle de Julien si elle a un accident. Je vais aller vérifier quand même qu'elle est pas venue. Mais non, j'ai rien touché. Oh. Aie confiance en ta femme. Punaise. Bref. Ouais, au cas où. Du coup, Donc avec la marque, du coup avec la marque La La Lab via la plateforme Evency, vous savez, on peut recevoir des produits gratuitement et vous les présenter si la marque accepte. Donc ils ont accepté et j'en suis trop contente. Je vais vous montrer. Vous savez, j'avais eu le cadre là d'ailleurs qui est là. Et là cette fois-ci c'est des manettes pour le frigo. Donc je suis trop excitée. J'ai hâte de les ouvrir. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, j'ai reçu tout ça dans une petite pochette La La Lab en carton. Et c'est une petite, un petit pochon comme ça. Je trouve déjà le concept trop mignon parce que le petit pochon, bah, vous pouvez le réutiliser. Donc c'est plutôt pratique. On va l'ouvrir ensemble. C'est tout mignon. J'ai trop hâte de voir le résultat. Alors le premier magnette, je vous cache juste là parce que c'est un... C'est le fils de ma meilleure amie. Donc je vais peut-être pas le montrer sur les réseaux. Mais voilà, c'était Alissa et Aaron. C'est trop cool! Ici, le deuxième magnète. La tête d'Alissa, mais elle ne sait pas sourire, ma Lily. Il est trop beau. Franchement, mais je suis trop contente. On fait pas attention à mes ongles, j'ai rendez-vous jeudi pour les refaire. Là, c'est une photo de ma maman et ma soeur. C'était à Noël l'année dernière. Là, c'était pour nos 8 ans ou 9 ans. 8 ans? Non, c'était pour 9 ans. 9 ans, je crois que c'était cette année. Ou 8 ans. Bref, peu importe. C'était une photo de tous les trois. Une photo de l'anniversaire de Alissa. Une photo de tous les quatre. Celle-ci, vous l'avez vue parce que, pareil, avec un partenariat à La Lab, j'avais eu un tableau. Et je la trouve tellement belle, celle-ci, que voilà. Là, je les trouve trop mignons. C'était en vacances cet été. Donc, Julien et Aaron. Avec nos petits bracelets du camping. Celle-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est juste magnifique, cette photo. Je les trouve trop, trop, trop beaux. Voilà. Et ensuite, je crois qu'il y a voilà, deux photos de nous. Là, c'était... Oups! Là, c'est cette année pour mes 30 ans. Et là, c'était en vacances cet été. Je suis trop contente. Je vais tout de suite aller les mettre sur le frigo. Je suis une gosse, moi. Surtout les magnettes, en fait. J'en ai jamais eu. Je pense que les enfants, quand ils vont rentrer, ils vont être heureux. Alors, on va essayer de les disposer. Je sais pas si je les... Il va falloir que je fasse de la place quand même sur ce frigo. Parce qu'ils sont tellement belles. Je suis trop contente! Donc voilà le résultat. Ça rend trop bien. Ça se colle hyper bien. Il y en a un qui est tombé parce que c'est moi qui viens de le faire tomber. Donc vous pouvez accrocher ce que vous voulez sur le frigo avec. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez prendre vos photos soit sur votre téléphone avec l'application. Moi, je passe par l'application La La Lab. Soit, par exemple, sur Instagram. Je sais que moi, il y a certaines photos qui sont d'Instagram. Voilà, je les ai prises comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt pratique parce que parfois, on a des belles photos. Et on pense pas forcément à les développer. Moi, la première. Et là, je trouve que le concept est juste top. Donc je suis mais ravie. J'ai comme d'habitude un code promo que je vous mets en barre d'infos. Si ça vous intéresse, je trouve que c'est une bonne façon de garder des photos tout en les exposant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin, par exemple, de commander une trentaine de photos, de les mettre dans un album et basta, on n'en parle plus. Là, pour le coup, franchement, vous savez tout. Toutes les photos qui sont sur votre frigo, vous pouvez les voir. Ou alors sur autre, hein, d'ailleurs. Vous pouvez mettre sur un tableau magnétique ou quoi. Donc, je trouve ça juste trop bien. Voilà, voilà. Je pense que vous avez compris que je suis excitée. Tout va bien. Donc, merci encore à La La Lab et merci à la plateforme Evency. T'as vu? Regarde.
Regardez, je les ai pris en flag en train de regarder. Ils ont vu tout de suite. En fait, Alissa, dès qu'elle rentre, elle voit. Elle a vu tout de suite ça. Ça, c'est mon anniversaire. Oui. Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que t'as dit, papa? Oui, c'est sympa. C'est joli. Mon gâteau. Ah, toi, t'as vu le gâteau, toi. Il est pour qui, le gâteau, là? Pour toi. Pour toi? Oui. Non, c'est pas pour toi. C'est pour papa? Non, pour moi. Non, pour moi. Bon, c'était pour tout le monde. Bon, je crois que ça leur a bien plu. Voilà, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Moi, j'ai choisi ce format-là, mais il y a plusieurs formats. Il y a des cœurs, il me semble, des ronds. Et je crois que c'est tout. Je vous le remettrai en info, là, pour vous dire exactement. Mais voilà, moi, j'ai choisi cela parce qu'en fait, au niveau du format de ma photo, c'est ce qui me permettait d'avoir le plus de ne pas rogner quoi l'image. Donc, je trouvais ça plutôt cool. Bon, moi je vous reprends, il est 8h10, je vous reprends pour clôturer ce vlog, comme ça je vais le monter, tout simplement. Julien est de ce côté... Salut. Pff, tout va bien. tout va bien. Je suis dégoûtée, j'ai fait cramer le repas de ce soir. Je crois que c'est une des rares fois que ça m'arrive. Hein. C'est scandaleux, c'est un scandale. C'est pas du tout mon style de cramer les repas. C'est un scandale. Franchement, alors je pense que c'est la faute du cookie. Ouais. Bon dossier, je pense pas que ce soit de ma faute. En fait, j'ai voulu faire un bœuf bourguignon carotte. D'ailleurs, il y a toujours les champignons parce que je les avais pas mis. On a des champignons frais, coupés. J'ai voulu faire un espèce de bœuf bourguignon carotte. Et j'ai tout mis dans le cookie avec du vin rouge. Et j'ai mis ça 45 minutes, une heure. Jusqu'à ce que ça crame, quoi. 45 minutes, et d'un coup, au bout d'un moment, le cookie oil s'est mis en erreur. Non, le cookie oil s'est sonné en erreur. Mais arrête, qu'est-ce que tu dis? Le cookie oil s'est mis en erreur, en fait, il y a marqué niveau d'eau trop bas. Niveau d'eau trop bas. Et en fait, il n'y avait plus du tout de vin, il n'y avait plus rien, en fait. Donc tout le bas a cramé, il y a des morceaux de viande qui se sont sortis. Enfin bref, mais c'est pas assez, je trouve pas que c'est forcément assez cuit et tout, enfin bon. Donc j'ai tout cramé. C'est pas grave. Du coup, on se fera quand même les tagliatelles pour demain midi. Et ce soir, ça va être pizza. Voilà, c'est notre petit plaisir. Qui n'était pas vraiment prévu, mais c'est pas grave. Oui. J'ai fait 45 minutes d'aquatonique aujourd'hui. Et j'avais fait du vélo dans la semaine. Donc je n'ai jamais été aussi sportive depuis très longtemps. Non, honnêtement, l'aquatonique, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'était trop bien. J'ai trop hâte de recommencer, là, ça... c'était génial. Vraiment, c'était top. C'est pas à côté, j'ai quand même 15-20 minutes de route, mais ça vaut le coup, c'est top. Moi, ça m'a beaucoup plu, donc voilà, je suis contente. Allez, bref, je vous laisse, j'espère que ce petit vlog en notre compagnie vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.